Elle est de retour donc, avec l'association Couleur Mon Nation, mais elle a pu voir donc, le groupe même jouer. Elle a joué quelle chanson, elle a dit? Ils sortent côté Sainte-Suzanne. Ils sortent et nous sortent. Nous sortent côté Sainte-Suzanne. Ça décrit ça. Ah, ben ça, c'est le Couleur Mon Nation même. Mon garçon, elle est venue composer une bonne chanson du groupe. Hein? Bien, donc, alors, le garçon, c'est lequel? Ça qui chante ici? Celui qui chante. Celui qui chante. Après, qui s'en a fait encore dedans là? Alors, dedans, Nina, ben, la dernière, hein, c'est sa petite soeur. Hein, il joue Kayom depuis l'année de septembre, donc, depuis 2012. Après, Nina Benji, c'est le William Arm, il va dire. Nina Loïc, Lily balance sur Kayom, autant sur Léa, autant sur le Sati. Après, Nina Leonardo, tout récemment, elle a rejoint à nous. Là, c'est le groupe complet, il manque à sortir. Il manque de 3, en tout nous, il y a 10 quand même, 10 mamailles. Donc, c'est le plus grand, il y a 10 et 3 et le plus petit, c'est la petite Nina, c'est 10 mamailles de quel âge? La plus petite, c'est 7 ans. 7 ans quand même. Voilà. Après, c'est des 13 ans, 15 ans, 16 ans et 17 ans. Est-ce que nous pouvons dire que c'est un groupe familial? C'est toutes les familles ou bien là aussi, il n'est pas famille dedans? Non, Nina n'est pas famille, mais le point important, c'est qu'elle a été créée en 2012. Comme je dis, c'était la discipline là-haut des CBDR. Et c'était une maman, il a grandi la même ensemble, tout le monde. J'ai toujours été à Zot depuis tant petit. Donc, elle a été créée comme ça. Et ils ont un projet de créer un CD. Quoi ça, il a comme projet? Bah, le projet, c'est voilà, maintenant les temps de créer un CD, peut-être pas 12-15 chansons dessus, mais au moins 5-6 chansons pour faire connaître un autre un peu plus de voilà. Alors, la dernière fois qu'on avait été la remise de médaille de M. Batou, elle a été faite ici. Là, le groupe justement l'a joué et qui accompagne vraiment. C'est l'eau. C'est l'eau. Raconte-nous comment elle a été faite la rencontre. C'est nous, dans le mal, on était pris vraiment aller savoir connaître la vie. Parce que nous, on est plus comme comment je m'en viens, on est comme ça, mais du coup, là, pour autant, on a un important, un ancien. Il fait mon tas de pourquoi je m'en viens, c'est quoi le mal, les gars. Donc, j'ai participé de recherche, elle est bien le groupe. Et j'ai participé aux 35 ans de carrière de l'ancienne ici. C'est là qu'elle a démarré vraiment. Et maintenant, ici, à la maison du patrimoine, comme Couleur Mon Nation, ben, elle va descendre ses autres lieux, ses autres territoires, ses autres cours. Et comme on dit, lors de la remise de médaille de M. Batou, ben voilà, les combinés comme ça. Et aussi, il faut dire que M. Batou aussi, il est aussi à l'origine là-bas de la création du rôle du groupe Couleur Mon Nation. Et il est normal que nous jouions là, c'est nous et Couleur Mon Nation, la mariage, on a fait le mariage. Alors, je vois dans le fait que l'année dans cette salle, c'est une salle où ça a plein d'expositions. Là, l'exposition, c'est quoi comme thème? Alors là, pour cette exposition-là, nous la mettons sur les rails du patrimoine, c'est-à-dire sur le train, il sera longtemps, les cheminots longtemps, où ça a vu les anciens gars, son histoire, maintenant quoi aussi il fait dedans. Et aussi, il y a des personnes comme Eric Boulogne qui travaillent aussi sur l'histoire du chemin de fer. Il est important que dans ce lieu-là, parce qu'en fait, nous avons commencé depuis le 15-16 septembre, là, quand on a eu les journées du patrimoine. Donc, on continue jusqu'à mois d'octobre. Et il est ouvert tout le temps, comment? Il est ouvert du lundi au samedi. Et comme Joséphine a dit, nous, l'association pour la Nation, nous avons créé un espace aussi de vie sociale. Alors, explique-nous. Alors, le vie sociale pour nous, apprendre de nous, comme la vie dans la cité, il y a des logements sociaux autour de nous, apprendre à faire connaître la cohésion sociale, à faire vivre ensemble, un partage. Est-ce que les dur justement de... Les difficiles, pour que les gens sortent chez eux, de la pure cette habitude-là justement. Donc les jeunes, à un moment donné, ils viennent à l'âge du Sport-Loyal, il y a des personnes qui passent ici, est-ce qu'ici il fait tel atelier, quoi nous propose, et c'est là l'idée de dire allons mettre ça ensemble pour faire justement ce lien social là. Donc depuis le mois d'avril, on a commencé. Il y a le coup de guitare avec Jimmy Toive qui vient ici. Dans le local ici. Après aussi, dans le local ici, on a les ateliers très sages du matin, parce qu'il ne faut pas perdre. Et nous, on a la chance à Saint-Suzanne d'avoir toujours Madame Fontaine, qui reste toujours. Après, nous avons la couture. Donc, ça, c'est tes projets sous un nom d'association. Sous le nom d'association Couleur Mon Nation, donc nous faisons ça. Après, aussi, nous avons des partenaires, bien sûr, derrière avec nous, la CAF, la mairie de Sainte-Suzanne, la CIMADER, la CIDER, qui mettent aussi des locaux pour nous, que justement, nous savons dans les quartiers aussi à faire, parce qu'il y en a aussi Petit Marais aussi.
Et aussi le projet là pour ce 28 octobre, vivant dans la semaine nucléaire, c'est de faire sortir un peu dans le monde de Saint-Suzanne, celle qui fréquente notre vie sociale. Nous sommes dans les hauts sacres, dans la folle, pour justement rentrer dans la semaine créole en lui-même. D'accord. Ne faites une pause musicale, qu'on soit pour écouter. Alors moi, je voudrais bien écouter Gramine Cello avec la chanson Concurrence. Là. Concurrence, pourquoi? Alors parce que là, par quel jour encore nous avions deux. Et nous, effectivement, nous rencontrons que comme il y a dans le groupe Maloya, surtout dans le jeune, il y a vous, nous voit ça que voilà, il y a un petit peu partout. Voilà, regardez ce que comment jouer, parce que le Maloya, il est à lui-même. Il n'est pas destiné à une personne tout seul, mais il dit faut nous toutes, les jeunes, les anciens, nous partagent. C'est la chanson type pour moi. Ah ben alors, tout à l'heure. Ça recose un petit peu de Joséphine. Alors, ah, vous êtes très jeune, président d'une association, les patrons, lourd ça raconter. Maman Yann. Oui, voilà. Maman Yann beaucoup. Lui, il est dur, mais. Et maman Yann. Vas-y, elle a la passion, tout ce qu'on fait, ben voilà. Et après, voilà, maman Yann. Ben, pour toutes les démarches qu'il faut faire, surtout. C'est ça. Les paperasses et tout. Toi, tu disputes avec pour voir les projets mettre en place et tout. Oui, après, conseillère, il faut dire, ben Josépha, tel projet, il faudrait. Le but, c'est ça, d'aller chercher telle personne. Mm-hmm. Par exemple, on fait des manifestations aussi, comme le 9 juillet. Ben, j'essaie de mettre aller un petit peu aussi, aller collecter une bonne idée tout le temps, les artisans, apprendre à aller à faire ça. Quoi. Alors, qui ça a choisi le nom du groupe Couleur en Action? Ah, ça a dit, on redonne le nom là. C'est le leader, hein, c'est le chanteur. Ah ouais, rappelle-moi le leader, c'est Sébastien. Sébastien, j'ai dit non. Sébastien, dis-moi un petit peu, tu vois.